Eh bien, salut, tenez, toujours on ne sait pas avec ça, c'est une fois épisode 4 de notre aventure sur Lara Croft, enfin sur Tomb Raider, pardon. J'espère que vous allez bien. Donc, dans le dernier épisode que j'ai enchaîné, où on était sorti un petit peu de la galère, là on était un petit peu plus posé. Donc on va voir ce qui se passait. On avait retrouvé Ross, je crois, mais il s'était fait découper le pied, donc bon. C'est pas franchement ce qui est le plus cool. À moins que... Voilà. Ok. Sabine. Okay. Berlin Kamakura. Tout ça faisait partie de la bataille. Fort possible. Appartenir à un marine américain. Est-ce que cette île a été occupée ou était-ce des éclaireurs? Il y a un truc caché. Est-ce que ces marques représentaient des amis perdus ou des ennemis tués? Dans les deux cas, c'est trop pour un seul homme. Ouais. Dans les deux cas, ouais, c'est triste. En tout cas, je le répète, qu'est-ce qui est beau! Voilà, oh là là là! Ok. Je crois que c'est là où on était en fait. Ouais. Mais où est-ce qu'il faut aller maintenant? Ah, ok, j'ai pas vu. On va tenter d'aller par là, voir. Ok. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Oui, j'avance comment là? Non, non. What the fuck? C'est pas par là? Ok. J'ai vraiment en train de me dire que c'est pas par là? Ça paraît étonnant. Ça paraît très étonnant. On va aller tout en haut, on va récupérer la caisse. Voilà. Là. On va récupérer ça, déjà. Dans le premier temps. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ça?
Ouais, mais moi j'ai envie d'aller voir là. Il y a que dalle, il y a que dalle. Ok, on avance. Voilà où. Ah oui, ok, t'arrives à voir de son. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Il y a forcément quelque chose. Va forcément y avoir quelque chose. Putain, les phases de QTO sont tellement dures! Non, en vrai, c'est le temps de se faire au gameplay. Je pense, j'espère. YOLO! C'est bon, ça passe. Faut juste le faire en plusieurs étapes. Ce qui est totalement... Ouais, quoi que je suis... Ça peut pas être logique. Je vais te remettre sur pied. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire du bondage? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Des bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais sois prudente, Lara.
Et un nouveau piolet. Je me disais bien que cette paroi semble bizarre. Je peux y arriver. Ok, faut à chaque fois appuyer sur. Ok. Ok, sinon je peux faire ça. Ça c'est sympa, cette phase. J'aime beaucoup. C'est là où on était tout à l'heure, ça. Ouais. C'était pas prévu, ça. Lara? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment le début de Lara Croft. Vu que Ross lui disait, si tu es ce genre de prof, merde, mais tu le sais pas encore. Donc ouais, c'est vraiment le début de Lara Croft, quoi. Enfin, c'est un renouveau, on va dire. C'est ce que je vous disais, ça n'a rien à voir avec Lara Croft. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Explorer les tombeaux. Quoi? Ou un tombeau? Ça on va tous les faire en tout cas. S'il y a des trucs comme ça, on va tous les faire. Ok, donc un tombeau. On va que dalle, voilà. Oh, ok. Pas grand chose. Je ne peux pas faire ça. Ok, avance. Un feu de camp. Ok, on a une compétence. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénèrent-ils? Que veulent-ils? Que cherchent-ils? C'est une bien bonne question. Là. Oups, 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 oups. J'ai appuyé où? J'ai appuyé sur quoi? Ok, sur tab. Ok. On continue d'avancer. Ces silhouettes dorées. Les servantes de la reine solaire. Les sacrifices. Les meurtres. Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits du Yamatai. À moins qu'on les ait effacés. C'est possible. Pas vraiment ce que j'avais prévu en fait, pour tout vous dire.
Moi, ce que j'avais prévu, ça ressemblait plus à un truc. Je vais vous remontrer. Ah ouais, mais non. Comme ça, voilà. Tu prends la torche. Tu les fais flamber. Je vérifie, mais il n'y a rien qui... Ouais. Du coup, là, voilà, là, tu montes. Voilà, maintenant. Parfait. Ok. Voilà. En l'honneur de ses Oh. maîtresses. Incroyable. Oh, c'est ça la récompense du trésor. Yes! Oh putain la vache. Oh, ok, on a... On a pillé notre premier tombeau. Et ben vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se TP. Je peux pas m'y TP, ok. YOLO! Il est où le camp? Il est là. Ok, donc du coup, compétences. Là-dedans. On peut avoir le truc de tir, ok. Ça me tente pas trop. Alors, on peut avoir l'instinct animal, une meilleure observation, ouais. Voilà, des munitions supplémentaires. Ça va forcément nous être utile un jour ou l'autre. Et puis, dans l'équipement, notre piolet, il est amélioré à fond. Donc, on va améliorer notre arc. Voilà. Tige renforcée. Ok. Maintenant, on va aller se concentrer un petit peu sur... Notre vraie mission. Pour ça, il faut aller là. Ok, il faut grimper là-haut. Ok. Bon. Alors, Lara? Lara? Quoi? Alors? Pourquoi mon... Voilà. Mon piolet ne marche plus. Voilà. Étrange, ces marques. Merde! J'ai besoin d'aide! En avant!
Merde. Je vais mourir. Ou au pire, Lara. J'ai l'impression que je suis là. Excuse-moi, je crois que j'ai un tout petit peu paniqué. J'ai parlé à plusieurs habitants de l'île. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter. Mon objectif est clair, je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Des rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits, qu'elle commanderait le soleil et la pluie, et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties, mais d'où viennent ces rumeurs? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple? En usant de superstitions primitives? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard, mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes tempêtes. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu. Ok. On avance. Ok, il y a quelque chose en dessous là. Non. Si, il y a quelque chose. Yeah. Mais comment est-ce que... What? Ok, par là. Wow. J'ai un décalage. Du coup, c'est là. Putain, là, il y a tellement de trucs à explorer de partout. Lara, t'arrives. Envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Ok. Je vous en prie! Ne faites pas ça! Wow! Je
Il est mort? Toi là par contre, toi tu me saoules. Vas-y, monte ta tête. Salut. Ok, on va essayer de fouiller un peu tout le monde. Désolé pour le retour du port USB d'ailleurs. Même si bon, je crois que ça fait depuis l'épisode dernier que ça y est. Bon. On s'est habitué. Ah ouais, j'avais pas vu. J'ai un mauvais pressentiment. Non, léger. Crois-moi, Reyes, c'est mécanique, c'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok, peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle? Elle est mignonne, hein? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alisha. Alisha? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac, pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim, c'est l'heure de fermer les écouteilles. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi, et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine, et j'ai pas bu une goutte depuis. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3, et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez! 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 Coupez. Il va revenir? Je vais le chercher. L'archéologue mondialement connu. Je peux vous dire... L'archéologue de renommée mondiale, le docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je n'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner. Sans vouloir vous vexer. Le public veut voir des choses, docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct.
au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Ok, bon. Du coup, on a tout amélioré notre arc. On a tout amélioré ça. Enfin, le piolet. Donc maintenant, on est parti pour améliorer notre fusil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut pas. Charge améliorée. Ou alors on attend pour le rafale. Honnêtement, on aura largement le temps d'améliorer. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. J'espère franchement et sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, salut à tous, c'était Paradox. Bye tout le monde, allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye.